Bonjour Valérie. Alors, de quelle parabole allons-nous parler aujourd'hui ? Une pauvre veuve. Une pauvre veuve. Face à un méchant juge. Enfin, je dis méchant, Jésus a dit inique, mais c'est pareil. Jésus leur adresse ça, une parabole. Donc on sait que c'est une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc on sait dès le début le but de la parabole. Il dit... Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et Jésus termine par une question qui donne toute sa portée à la parabole. Alors d'abord, pour poser le cadre, dans la Bible, la veuve et le juge sont deux figures majeures. La veuve, l'orphelin, l'étranger... Ce sont les personnes les plus défavorisées. Et Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Donc on l'a dans le Deutéronome, par exemple. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas de favoritisme et qui ne reçoit pas de présent. Sous-entendu de présent pour le corrompre. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Donc ce contraste entre Dieu qui est Seigneur des Seigneurs, grand, fort, terrible, et le fait qu'il fait droit au plus petit, l'orphelin, la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et au centre du verset, qui ne fait pas de favoritisme et qui ne reçoit pas de présent. Un Dieu incorruptible. Il ne va pas favoriser les grands, sous prétexte qu'ils peuvent lui apporter quelque chose. Au contraire, il va prendre le parti du petit. Quant au juge, il y a souvent des reproches faits par les prophètes de ce que les juges, justement, ne jugent pas avec justice. Ésaïe, par exemple, « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Bon, » c'est ce que dénonce Ésaïe et après lui, tous les autres prophètes ont dénoncé cette attitude. Il y a même un psaume qui s'adresse aux juges. Quand enfin jugerez-vous avec justice ? Donc quand Jésus donne cette parabole, il s'appuie sur des piliers qui sont forts. Dieu est le défenseur des veuves. Et les juges ont la responsabilité de prendre le parti du faible quand le fort abuse de sa puissance. Et Jésus met en scène un juge, il le dit dès le début, qui ne craint pas Dieu. Donc le juge ne peut pas être Dieu, puisque ce juge ne craint pas Dieu. Mais ce que Jésus veut montrer, c'est réellement une attitude qu'on a déjà vue dans une autre émission. C'est le fait d'importuner, être importun, ne pas laisser le statu quo, ne pas laisser les choses comme elles sont.
Donc le premier sens de la parabole, que Jésus motive lui-même, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il le dit, c'est pour ça que je dis cette parabole. C'est que Dieu est le recours quand les institutions mises en place conformément à sa volonté sont défaillantes. Les chrétiens sont parfois un peu gênés. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Oui, un chrétien ne doit jamais participer à une manifestation. » C'est vrai et c'est faux. Nous ne sommes pas des revendicateurs en tant que chrétiens, puisque la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités établies, de rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur. Donc quand les institutions fonctionnent comme elles doivent fonctionner, le chrétien n'est pas celui qui va aller les contester. Maintenant, quand une institution est défaillante, et manifester, c'est aussi un droit. Alors ça c'est un droit en France. En France, voilà. C'est entre guillemets, c'est la chance ou la grâce d'habiter en France. Oui. Parce que ce droit n'existe pas dans d'autres pays. Mais la question pour les chrétiens, c'est puisque la Constitution française me donne le droit de manifester, est-ce que ma foi me donne ce même droit? C'est ça la question. Alors bien sûr, on a la figure de Martin Luther King. La manifestation pacifique, c'est la seule d'ailleurs à laquelle les chrétiens peuvent, dont ils peuvent faire usage. Mais on est un peu gêné parce qu'on dit oui, mais Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités. Oui, tant qu'elles font ce pourquoi Dieu les a établies. C'est-à-dire pratiquer, mettre en œuvre la justice. Éviter que le fort abuse de son pouvoir. Quand ce n'est pas le cas, on peut au moins pétitionner vers Dieu, à défaut de pétitionner par une manifestation ou par une lettre à son député ou à son sénateur, ce que l'on peut toujours faire, mais d'abord pétitionner vers Dieu. Donc c'est la première chose que l'on peut faire. Il faut prier, ne jamais se relâcher. C'est la première portée de la parabole. Maintenant, il y a une deuxième portée de cette parabole à échelle humaine, c'est qu'il faut persévérer aussi longtemps qu'il le faut pour que Dieu nous vienne en aide. Et Jésus, dans la parabole, dit « Pendant longtemps, il refusa », dans cette notion de durée. Je me rappelle quand il y avait encore l'URSS, c'était l'association Portes Ouvertes avec Frère André, qui avait lancé un mouvement de prière de 7 ans. Pendant 7 années, tous les chrétiens du monde étaient invités à prier pour que le mur de l'Est tombe. Et c'est ce qui s'est passé au bout de 7 ans. Le mur de Berlin est tombé. Mais les chrétiens avaient prié 7 ans. Si on s'était contenté de prier une journée, peut-être l'histoire aurait pris un cours différent. Mais ça a été 7 années de prière. Et parfois, il faut beaucoup plus. Donc Jésus dit, sans se lasser, pendant longtemps, là, il y a un temps, il y a aussi le prophète Daniel qui a prié un certain temps avant que Dieu lui donne une réponse. Donc Dieu n'est pas prisonnier du chronomètre. Là, c'est aussi une chose. Mais puisque Jésus termine sur « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il y a une troisième portée de la parabole, et là c'est à l'échelle millénaire. C'est que quand Jésus le dit, avant, il a parlé des temps de la fin. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. » Et là, on peut dire que la veuve, c'est l'Église. C'est l'Église dans toute son histoire. Jésus est au ciel. L'Église est sur terre. Et elle attend. Et elle attend et elle quémande. Elle quémande justice.
ceux qui crient à lui jour et nuit. Elle quémande justice à Dieu, comme on le trouve dans l'Apocalypse aussi, où les martyrs qui sont sous l'autel, jusque à quand Seigneur, quand feras-tu justice? Donc c'est la quête de l'Église tout au long de son histoire. Elle n'est pas vraiment veuve, puisque Jésus du ciel prie pour elle. Mais l'impression qu'elle peut avoir sur cette terre, c'est qu'elle est veuve. Jusqu'à ce que Jésus vienne la chercher, l'Église est aux prises avec des puissances qui lui sont hostiles. Jésus a parlé, je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle, c'est-à-dire n'auront pas le dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'essaie pas en permanence. Mais les portes de la mort essaient d'étouffer l'Église. Et l'Église, elle, doit se tourner vers le Seigneur en lui demandant, garde-nous, protège-nous, et chaque fois que quelqu'un dit l'Église est morte, bah Dieu la relève. Elle n'est pas morte. Elle a régulièrement le sentiment que le mal va en empirant et que rien ne peut le freiner. Mais Dieu a toujours une botte secrète. Troisièmement, l'Église va avoir l'impression que Dieu la laisse tomber. Mais s'il n'en est rien, car Dieu vaut beaucoup mieux que le juge inique qu'il n'est pas. Donc il prend soin de son Église et il veille sur elle. Jésus dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc même s'il ne se rend pas visible, il est avec nous. Et puis quatrièmement, seule la foi peut garder l'Église de sombrer face aux persécutions de toutes sortes. Encore faut-il que cette foi se fonde sur les affirmations de Dieu sur lui-même et non sur l'intoxication que provoque le déferlement du mal ou de façon plus subtile, les victoires de l'humanité. Et quoi les victoires de l'humanité? Les victoires de l'humanité, c'est la sécurité sociale, c'est l'ONU, qui pourrait faire penser que le royaume de Dieu est déjà sur terre. Mais malheureusement, il n'en est rien. Et nous attendons de lui la justice et la paix. Merci Luc. Merci chers auditeurs. À bientôt.